A city's a scumbag, don't you know? Ariel Koenig publie le livre tout simplement le plus intelligent de ce début d'année. Ça s'appelle Le Miracle. Ça se termine dans une chambre. Comment ça va les garçons? Ça va, et toi? Bah ça va pas mal, oui. Tu passes une bonne soirée? Mais je passe une excellente soirée, vous? Très bien. Mal. Je dérange pas au moins? Bah non. Comme tu vois, tu déranges. Non, parce que je sais pas, je vois deux garçons sur un lit, je voudrais pas interrompre quelque chose qui aurait commencé, oui c'est ça. Bah on est plus au repos que d'habitude. Plus au repos que d'habitude. Ouais. Quand t'es pas au repos, c'est comment, Ariel, exactement? Bah, normalement, ici, on regarde des films. Quel genre de film? En fait, sur mon roman, il se finit ici, dans cette chambre. Exactement. Et vous regardez une espèce de documentaire sur la naissance de la Terre, c'est ça? On regardait ça, ouais. En 3D. C'était quand? C'était il y a 6 mois. Au moins 6 mois, ouais. Souvent, on dort ensemble, Ariel et moi, on adore ça. Voilà. Ah oui? Ouais, c'est un truc qui est entre nous et voilà, on dort. On dort et avant de dormir, on regarde des films. Documentaires sur la naissance de la Terre, mais autre chose. Plein de choses, des trucs. Parfois, je repasse très, très, très régulièrement le même truc. C'est un vieux striptease avec, comment il s'appelle? Avec, comment il s'appelle Tu sais, le mec qui fait, qui était DJ là au Bouddha Bar, qui est complètement défoncé tout le temps. Le gros là, qui est crade. Comment il s'appelle? Je m'en rends pas compte, moi je connais pas le gros. Si, Claude Chal. Claude Chal, voilà. Claude Chal, en Indonésie. Je vais me faire un copain là. C'est effrayant. Voilà, et je repasse le striptease sur lui parce qu'on rigole, il est en Indonésie, il est en slip, il est hyper content et il croit qu'il est merveilleux alors qu'il est dégueu, il dégouline de partout. Et c'est juste hyper drôle. Du coup, pardon. Oui, non, vas-y, non. Non, du coup, on adore regarder ça et il faut dire que je change rarement les DVD. Et on regarde des films d'horreur aussi. Et on regarde des films d'horreur un peu underground. Saucisse. Ah non, Saucisse, ouais, c'est pas hyper. Et La Machine à Merde. Tu sais, le film d'horreur où les gens reconstruisent leur... Non, je vois pas. Mais si, le film, tu sais, le film interdit. Merde. Mais oui, où les gens reconstruisent le cycle alimentaire. Ah, The Human Centipede. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, très bien, ça, okay. Voilà. La Machine à Merde. La Machine à Merde. C'est effrayant. Vous regardez des films de cul aussi ou pas? Non. Non. Jamais. Jamais. Ah, jamais. Jamais. On les vit. Mais non, parce qu'on s'auto-suffit à nous-mêmes. On les vit. On les vit. On les vit, c'est ça, on les filme en fait. On les filme. On est acteurs dans les films. Ouais. C'est ça, oui. Mais toi, tu les connais bien, les acteurs porno? Bah oui, moi, c'est ma vie. Moi, je les fréquente. Bah oui, tu vas beaucoup. Et tu connais qui? Un acteur porno, une actrice porno? Oh, bah, non, l'actrice porno, c'est toutes mes copines, mais toutes en copines. Acteur porno, bah, Ludovic Cano, par exemple. Ouais. Ah oui. Bah, quand tu vas à Los Angeles, il habite c'est là-bas. Cadino, il habite là-bas, dire. Exactement. Non, Ludovic Cano. Je connais pas, moi. Ah, oh, bon. Mais alors... Je suis pas très branché film de cul, non, tu sais. Voilà. Ah, ceci étant... Je regarde tous les films de cul hétéro, moi. Bah oui. Alors, ceci étant, néanmoins, dans cette chambre... Ouais. Il se passe donc ce que vous avez dit, c'est-à-dire que vous regardez un documentaire sur la naissance de la Terre. De mais la Terre, de l'univers. Il se passe également autre chose dans le livre. Il y a un plan à trois avec un dealer. Bah, tout de suite, ça t'intéresse. Voilà. Je n'ai rien dit, je note à rien que c'est toi qui l'évoque. Non, mais ce qui t'intéresse, c'est la vérité. Alors justement, quelle est la vérité? Et le livre dit toute la vérité. Ah, le livre dit toute la vérité? Bah oui, je sais pas, tu l'as lu, t'en as pensé quoi? J'ai adoré le livre, mais je voulais qu'on parle de cette scène avant qu'on parle du livre. Ah, oui. Tu veux savoir quoi cette scène? Bah je sais pas, donc dans la scène, il y a un jeune homme dans la scène, ouais. Qui s'appelle Hakim, je crois, c'est ça? Ouais. Avec qui Julien a une relation qui n'est pas uniquement une conversation. C'est ça. Oui, il est amoureux. Je suis hyper amoureux de mon dealer. Bah, attendez, non. Putain, je suis le seul mec de Paris qui ne prend ni de coke, ni de MDMA. J'en ai plein qui passent chez moi, ça c'est vrai. Tu n'ai jamais sniffé de drogue, ni de quoi. Non mais je tiens à le dire parce que franchement c'est assez rare dans mon entourage et personne ne me croit. Et dis-le pour tes parents. Non, mes parents s'en foutent. Mais sincèrement, voilà, je suis amoureux du dealer dans le bouquin, c'est une certitude. Et pas dans la vraie vie. Mais non, enfin, on peut être amoureux aussi d'un facteur sans avoir envie d'ouvrir son courrier, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, voilà, moi, je suis amoureux d'un dealer, il n'y a aucun problème, je couche avec, c'est très bien, et voilà, c'est juste un être humain avant d'être un dealer. Non, mais ce qui était intéressant dans le livre, c'était d'écrire la situation par rapport à l'exhibitionnisme de certains.
et de, parce que, et de m'investir. Parce que quand tu prends ta douche, il sort, il revient et Ariel non, est là. En fait, c'est un jeu littéraire pour s'investir dans l'exhibitionnisme à ce moment-là. Ouais. C'est-à-dire, le livre parle d'un fait divers qui arrive à Pierre Sarkozy. Ouais. Et voilà, et donc j'aurais l'air de commenter son exhibitionnisme si je ne parlais pas du mien. Et je trouvais ça aussi important de raconter la vie parisienne et de raconter ce qu'on vit, et puis des situations finalement que je trouve très normales et qui n'ont rien d'honteuse. Après, je les vis sur un autre mode que enfin, voilà que quoi, le fils les du président. Se résume, quoi. À bah, moi qui pèse avec un dealer. Et bah ouais. Alors, si c'est à propos de la vie parisienne, quand même, t'es un peu sévère, Ariel, dans le livre, parce que tu dis que finalement, bah, justement, avec Julien, vous, à 2h du mat', vous trouvez qu'il ne se passe plus rien à Paris et vous rentrez parce que... Bah, là, il est tard, on a fini de dîner et on ne peut pas aller au cinéma, par exemple. Par exemple, on peut aller au cinéma, ce qui est un vrai problème. Ce qui est un vrai problème. Ouais. C'est ça. Donc, on regarde des DVD avec des dinosaures qui s'enculent et qui font ça pour rien, puisque 6 mois plus tard, ils sont tous exterminés par une comète. Je ne dénonce pas l'exhibitionnisme, j'essaie davantage de penser à ce que ça change de nos vies et surtout comment on réfléchit différemment et comment les nouvelles technologies transforment nos modes de pensée, comment on passe d'une logique déductive à une logique de copier-coller. Tu vois, ces choses-là. Ouais. Je n'ai pas l'impression de dénoncer quelque chose particulièrement. Je raconte et surtout, j'essaie de trouver les mots qui correspondent à l'époque. C'est-à-dire, voilà, tu passes une heure sur un ordinateur, tu sais même, t'as même pas de verbe pour décrire ce que tu fais au moment où tu le fais. Ouais. Et ça m'intéresse vraiment comme travail littéraire que de chercher comment tu peux décrire le monde avec des mots de vieux mots, quoi. Tu dis d'ailleurs, Ariel, que la multiplication des images, ça déréalise les événements. C'est-à-dire que l'idée que le 11 septembre, on a tellement vu les tours, finalement, on s'en fout des tours maintenant. Enfin, et puis la répétition. Oui. Mais de la même manière dont quand tu apparais... dans la sphère médiatique, t'as pas du tout une impression de réalité. Ouais. Enfin, moi, ça me dérange pas du tout de dire des choses fausses sur moi, ou même qu'on me dise ou qu'on me prête des phrases, ou qu'on me... Enfin, je sais pas. Là, on m'a dit, par exemple, récemment, enfin, un journal a titré « Je couche toujours le premier soir », une phrase que je n'ai jamais dite. Qui est pourtant vraie. Mais non, c'est totalement faux. On a dormi 10 000 fois ensemble, on a jamais baisé. Et qui est... Ouais, mais on a dormi ensemble le deuxième soir, peut-être. Non. Oui, mais le deuxième soir, par rapport à quoi? Bah, notre rencontre. Mais non, et puis peu importe, tu vois, c'est ni vrai ni faux, mais voilà, c'est de la presse, c'est du média. They say we're young and we don't know, we won't find out until we grow. Well, I don't know if all that's true. Cause you've got me, and baby, I've got you, baby.